Frère Maxime, aux amis, nous-mêmes qui sommes super fans, show, présentation, pensée pour ce maintenant, réflexion pour ce maintenant, nous comptons entrer là à Caillou. Je me dis, dans une bonne chaleur, sommeur ça, dans un bon début, sommeur ça, je me dis, pour nous porter un thème pour vous qui c'est une prévention. Parce que, avec chaleur à commencer, ou vraiment pile ou tapant, en pile, il faut apparaître négligent en pile. Ou qu'oublier qui côté ou praler, ou qu'oublier dans qui milieu ou praler, et puis ou paraître de façon désinvolture, et puis qui fait que un peu le monde garde mal, il critique, et puis ou embarrasser l'autre monde. Donc comme ça, je dis à faire avec ce mur, nous avons l'occasion pour réfléchir avec vous sur une thématique, sur un topic d'actualité en rapport avec ce mur, c'est la décence. Ce concept est un englobant. En plus, fois les noms dit décence, dans le monde qui carre seulement, c'est dans la tenue, n'a pas le sur l'autre aspect. Son englobant, il ramasse toute réalité monde. Donc, d'après que dans le thème, là, ça ne pas perdre du temps. Il fait chaud, nous connaissons, qu'on va bouler là, encore chaud, tout pour tenir ça qu'on va passer, ça qu'on va parler, ça nous pourra dégager dans le thème. Là. La décence. En entrée dans le thème, là, veuillez vous habiller de manière correcte et pudique afin d'éviter d'être confronté au quotidien à des regards malsains, des propositions malveillantes et perverses. Ma propre thème là. Veuillez vous habiller de manière correcte et pudique afin d'éviter d'être confronté au quotidien à des regards malsains, des propositions malveillantes et perverses. Bon, regarde, vous mettez sur vous. Donc, j'en habillé, et il y a plus de monde qui est capable de faire compliment, mais il y a plus de monde tout, qui est capable de garder, qui est capable de prendre mal. Qui est capable de mal. Et il y a un slogan, il y a un habitué. Il dit, le monde n'a pas même habitué à faire bien. Wow! Il prend pour le monde, je ne dis pas son commerçant ou bien un commerçante. Ok? Donc, comme ça, j'en habillé, il est capable d'attirer un peu le bon jet, un peu le mauvais jet sur tout. Donc, comme ça, il y a des gens qui font des propositions et puis vous fâchez parce que les gens habillés ou fait semblant ou voient une image de vous-même qui ne sait pas ce que vous avez. Pas sa personnalité, il y a oublié. Donc, comme ça, be careful avec ça, mettez pour sous. Ça dépend de temps, même laissez temps. Parce que les bons gens qui ont gardé, les mauvais gens qui ont gardé, les bons bouches qui ont parlé, les mauvais bouches qui ont parlé. Be careful. Donc, comme ça, j'en ai dit dans le commencement, je vois, la décence. Les ramasser tout le monde non. Donc son package lié. Donc comme ça moi-même avec vous et nous 10 œuvres pour nous mener la vie décente, pour nous mener une vie décente. Ça veut dire pour nous jeune moyen pour nous manger sans gratter tête. Pour nous jeune bon de l'eau pour nous boire, pour jeune bon côté pour nous dormir, pour nous gagner éducation soignée qui est qualité, pour nous gagner bon soin de santé, pour nous gagner moyen pour nous circuler, monter descendre, moyen de transportation qui est correct. Nous avons un bon rad pour nous mettre et pour nous manger tout des réserves le cas où nous problème un blocus. Donc comme ça j'ai un bon côté pour dormir, ça sont l'autre dimension. Donc un bon cabane pour dormir, c'est pas un luxe. J'ai un bon côté pour dormir, c'est pas un luxe, ça fait partie du minimum la vie à la vie au monde. Donc comme ça qu'autorité il y a pas qu'à gêner pour faire mon vienne là ou pas qu'à s'attendre dans l'embarras tout sous besoin mettre galon bon vent dans la cou bouchita. Si pour mettre chaise dehors, pour mettre chaise, pour un côté pour tendre rad ou pour pas capable joindre, ça veut dire faut gain espace, faut un minimum côté. Donc on pas arrêter de mener la vie de ghetto, on dans côté pas même qu'à vivre là, donc pas capable respirer. Donc ça veut dire que ou pas arrêter ton côté tout et puis pour vivre bête à mode pour gain pinaise, gain ravette qui marcher monter descendre sur vous. Donc faut que j'en dis côté dormir, côté à vivre là, environnement milieu côté coucher et les ou capable respirer là-dedans, nous sentons confortable là-dedans, sous malade tout monde capable venir voir, monde capable venir visiter ou. Donc comme ça, l'important en pile pour question côté monde rester côté abdomen. Donc côté abdomen il faut le propre. Il faut le propre et puis il faut les conditions d'hygiène et puis les fins jeune dire, faut pas une bête cap marcher sous monde, cap dormir sous monde. Faut chien chat en pile fois nous habituer avec nous gagner, yo se compagnon nous. Et puis on fait tout besoin dans cala tout nous pas pour nous nettoyer et puis les fins dit pas un monde cap venir la caille nous et puis les fins n'a vivre tant qu'on en pack. Non. Donc comme ça et lien important en pile et en dans caille côté, faut gagner éléments nécessaires, éléments de base. Donc ça veut dire, quand on va vivre là, il faut gagner de l'eau, il
Je ne dis pas, il faut qu'on ait une télévision, il faut qu'on ait un côté pour qu'on fasse manger, il faut qu'on ait une toilette et la trier. Donc, comme ça, c'est important. Pile. Donc, il y a un bon côté pour dormir, il y a un logement décent, ce n'est pas un luxe, c'est minimum. Tout le monde doit être dans tout pays, dans toute culture, dans tout peuple. Il y a un travail qui décent, avoir un travail décent, c'est une évidence. Donc, comme ça, c'est ça, nous tous, nous, chaque, moi-même ou même, nous avons gagné notre travail pour nous gagner, nous disons ça. Donc pour nous avoir un bon travail. Travail là, il faut notre travail pour nous avoir notre travail. Quand tout le monde qui dit ma travail, je vais gagner notre travail là, travail m'a fait, il n'y a pas qu'à répondre à besoin. Donc forcément, tu vas travailler, tu vas faire corvée. Donc je dis, je obligé de prendre le bagage et me faire. Non, il faut travailler là productif. Il faut travailler là tout. Il est capable de répondre à besoin. Il faut travailler là tout. Il paye un salaire qui est raisonnable, qui est convenable pour répondre à besoin. Il travaille pour tout, il y a tout. Je ne dis qu'il ne faut pas mettre la voie à risque. Il faut au minimum sécurité pour le travail. Donc ça veut dire que, deuxièmement tout, lorsque tu travailles en côté, il faut plus le temps de travailler là. Lorsque tu travailles encore, bon, certains là, je rêve tout. Je ne dis qu'il faut travailler là, les sécuriser au niveau social. Donc sécurité sociale, il faut le garantir parce que tu travailles là depuis longtemps. Donc comme ça, il est important que nous tous, nous chacun, nous devons travailler pour nous capables de répondre à nos besoins. Et travailler à côté de Nabia, il faut travailler à tenir compte de la réalité non, et des revendications non, et des décisions nous devons prendre pour nous participer dans tout ça nous gagnons qui affecte la vie non, et pour permettre qu'ils mettent en question l'identité, la couleur, la race non, et puis le mode de traitement, il y a ben nous, côté nous, il y a côté de notre travail là. Donc comme ça, Frère Maxime, mes amis, et que ce soit la caillou, même loin dans la caillou, bon Jean Pouillet. Il y a parce que dans la caillou, moi pas mon cap venir puis me voulez pour me laguer comme n'importe qui. Non, que ce soit dans la caillou, gon tenue pour gagner. Que ce soit local travail, gon tenue pour gagner. Que ce soit local l'école, gon tenue pour gagner. Que ce soit local l'église, gon tenue pour gagner. Que ce soit dans n'importe l'autre activité ou après la rue, gon tenue pour gagner. Gon champouiller, Jean Parole l'a dit, non langage créole. Donc comme ça, son liberté moins gagner ou gagner li gagner. Pour nous mettre ça nous voulons, pour nous mettre ça nous sentir qui fait nous bien. Donc, c'est liberté ça, nous tous nous avons la liberté ça. Mais dans la réalité la vie, il n'y a pas oublié que nous sommes des êtres sociables. Donc, il y a un code vestimentaire qui est important en pile. Pour tout le monde, pour chaque monde. Chaque monde a un code vestimentaire pour eux. Donc, je ne dis pas pendant la vie, comme monde. Donc, nous devons avoir une tenue qui est décente, pudique, il faut nous élégant. Non, réalité la vie, non, ça va péter pour nous, faut nous habiller avec élégance. Frère Maxime, non, l'important, en pile, faut une tenue qui est convenable, une tenue qui est appropriée, une tenue qui est modeste, qui est bien séante, une tenue qui est bien arrangée, une tenue qui est élégante, une tenue qui est sobre, une tenue qui est rayonnante, une tenue qui est pimpante. Et là, une fois, nous continuons avec moi, un tel ou chic, un tel ou pimpant. Oui, une tenue qui est pimpante. Donc, comme ça, la façon de s'habiller, les amis nous fait connaître, la façon dont nous habiller tête non, c'est une question distincte. La façon de s'habiller est une question distincte. Donc comme ça, il y a dit non, vêtements, on a metté rad, on a metté sous nous. Donc les doués, les se reflet, les refléter image, nos caractères, l'identité, nos personnalités. Et yo dit nous qu'on est allé difficile en pile. Par rapport avec manufacture et qui a fait rad, qui a fait confectionner rad, qu'on est à jour aujourd'hui, est très difficile, que ce soit Brenna qui a fait rad là. Donc, il est très difficile qu'on y a pour nous joindre des rad, et je ne dis pas, qui marche avec identité, non, avec personnalité, non. Parce que tout rad qui peut se faire qu'on y a, il fait de façon sexy. Vous collez sous le monde ou vous fan sous le monde, donc vous fan dépasser mes yeux, vous gagnez des coupures. Je ne dis qui vraiment inapproprié qu'à mettre mon dans l'embarras et mettre dans situation inconfortable. Il est vraiment difficile. Il est difficile de s'habiller de manière pudique dans mon jour aujourd'hui. Donc comme ça, la décence, je ne dis tenue décente, j'en dois habiller en façon simple, bien arrangée, bien organisée, élégante, rayonnante à pimpante. Je ne dis la décence, l'évoluer avec l'époque, avec les cultures, les, chaque milieu, chaque peuple, chaque culture, chaque tradition, et chaque monde tout l'habiller d'après éducation. Ok? Donc, comme ça, Zamenio dit comme ça que la tenue vestimentaire est révélatrice de l'état du cœur.
Non, ça dépend de qui signale la bouillie. Donc, comme ça, en plus, il y a des gens qui disent, pas de radar, pas de tenue qui est indécente. Oui, il y a une tenue qui est indécente. Ça m'a dit, non, l'homme, mettons un radar qui est trop collé. Que ce soit son legging lié, ou bien son collant lié, ou bien son tenue moulant. Donc, ça veut dire que là, tout corps, il ramasse toute anatomie. Il fait une tête coincée, puis ses garçons liés. Ou bien le ramasser tout petit parti col, il faut le gonfler, ou bien le faire paraître, j'en dois paraître là, j'en fait là, j'en y est là. Donc, on ne va pas prendre la rue comme ça. On ne va pas prendre la rue comme ça. Et là, on prend la rue comme ça, qu'il soit garçon ou bien fille, ou exposer tête, ou livrer tête. On ne va pas tirer des regards sur vous. Donc, on vient convoiter l'autre monde, on vient mettre propre la vie à risque, amis mieux, frères mieux. Donc, comme ça, les tenues dénudées, moulantes, trop sexy, décontractées, les vêtements moulants. Donc, c'est ça qui attire l'attention monde sur notre anatomie. Anatomie, c'est le thème classique. Donc, ça veut dire, sous parti privé, parti intime, il n'y a pas de bonne image de vous. Be careful. Nous sommes dans notre sommet qu'on y a, puis le voir mon gars négliger tête. C'est sommet, il fait chaud, m'a pas temps m'occuper mon. Be careful. Donc comme ça, mon y a dit mais qui rate mon doit mettre. Ben c'est dans chaud ça, on dit bon, dans chaleur ça, qui rate mon doit mettre. Donc c'est ça lié, rate mon doit mettre, je supposé sécuriser et kembe de façon intime et anatomie. Non? Anatomie. Non? Donc couvrir notre nudité, protéger notre corps et puis éviter la séduction, les convoitises des autres. Donc comme ça, nous devons avoir de la pudeur. Non, ça n'a pas mettre sous. Donc éviter d'attirer sur soi l'attention des autres et les convoitises. C'est ça Zami nous a dit nous. Donc là on dit nous, ça on dit nous, c'est pas pour porter en frein à liberté non. Pour nous pas remettre ça non, nous en liberté nous acheter ça non. C'est pas pour écraser non, c'est pas pour contrecarrer non, c'est pas pour diminuer feeling non, c'est pas pour embarrasser non. Mais c'est pour safety propre pas nous. Soignez votre apparence. Sommettez sous vous, bon image ou bail de vous. Donc faites bonne impression de vous-même au premier regard. Donc là, mon abgado, ah, you are beautiful, you are cute. You know, tu es jolie, you know, tu es magnificente, magnificente. You know, yeah, donc c'est ça lié, c'est une belle bagaille. Right? Puis là, en plus, il faut mettre un regard sur les mon angel d'atombe dans le jour pour le virer gel, que ce soit ces garçons. Ou bien fille. Donc, soignez votre apparence. Faire bonne impression de vous-même au premier regard. Donc, nous devons nous habiller avec la certitude que le choix de nos vêtements ne sera en aucun cas une occasion de chute pour notre prochain. La pudeur en tout. Donc, comme ça, nous devons tenir qui modeste. Et je ne dis pas pour nous habiller avec élégance, mais pour nous respecter tête, non. Et plutôt, il faut un standard. Vestimentaire. Ils ont un code vestimentaire, il faut un standard au niveau ça mette. Qui sont mettés? Sous où? Donc, comme ça, réalité la vie, l'on pas tenu compte de lui ou exposer tout. Donc, pas oublier, en menu Abdino, il faut que vos vêtements soient un cadre pour votre visage. Pour votre visage. Yeah. Il faut que vos vêtements soient un cadre pour votre visage. Sont mettés sous où? Ou bien moun kap gado ou getan di yo ki les souye. Ki les souye. Be careful. Donc comme ça, nous pas parler en pile non. C'est sommeil lié le fait jour. Toujours penser Jean parole la dit jodi a gon Jean pouyé et chaque côté ou supposé gen un standard vestimentaire ou supposé gen un code vestimentaire. Donc ou gon rad pour le travail ou gen Jean pour étendre dans la caille ou même laisser la caille. Donc ou gon Jean l'on pral travail pou yé, ou gon Jean l'on pral l'église pou yé, ou gon Jean l'on pral pral la ria pou yé, qui sont dans ma quête ou pral. Et puis il faut gaper le monde qui dit, ah c'est machine pral monter métal comme ça. Hein, les pour descendre machine non pas capable. On pas capable. Les pour monter machine non pas capable. Les on dans ma quête là pour baisser pour un bagage ou pas capable. Et en plus fois ba yo kon trop sexy, yo trop collé sous, les pour baisser yo kon chiré. En plus fois gaper le monde qui compte pas gros surprise comme ça. Non, c'est pas surprise, li on t'est préparé pour ça. C'est n'importe quel dégât fort honte. Donc comme ça, veille pour nous pour nous pas une mauvaise image de nous. Donc pas oublier, Jean-Zamin nous dit nous, il faut que vos vêtements soient un cadre pour votre visage. Donc comme ça, frère Maxime, on nous ramasser pour nous aller. Pas oublier. Pas oublier. Jean habillé, je me dis, c'est comme ça, regardons dans la société.
Donc, pas habillé, pas mettre n'importe quoi dessous pour permettre que je ne dis pas un mauvais signal. Mauvais gens. Veuillez vous habiller de manière correcte et pudique afin d'éviter d'être confronté au quotidien à des regards malsains, des propositions malveillantes et perverses. Veillez corps. Et puis, enjoy your summer. Et puis, pas oublier que corps, c'est un grand maître là. Ou bon gens pour gérer là. Donc, pas oublier, toujours faire son capable pour mettre sous ou rad cap protéger intimité ou vie privée ou cap protéger et cap sécuriser partie anatomique. Donc, comme ça, je suis content pour nous parler avec vous aujourd'hui pour nous garder et réfléchir ensemble sur la décence. Malé, l'autre semaine, c'était les amis pour de toujours, révérend Père Nesli Jean-Jacques. Ciao, bye bye.